Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir Hereticol. Yo. Alors, Hereticol, un action RPG roguelike avec des éléments Souls, c'est comme ça que le jeu se présente. Pas de démo, mais un playtest avec accès fermé, bien qu'on puisse demander un accès via la page Steam du jeu. Donc, merci au dev de nous avoir donné une clé. Vous pouvez demander une clé, donc allez-y si la vidéo vous plaît. Après ça, on est parti. J'ai pas vu grand-chose. Il y a une petite vidéo, ça a l'air sympa. Hereticol supports controllers, which is the intended way to play for the best experience. Ok. Bon. Allez hop, go brancher le contrôleur. Si c'est gentiment demandé. Pas qu'il fail, hein. On va faire ce qu'ils disent. Thank you for playing Hereticol, bla bla bla. Profile name. Yamo. Ok. Start game compendium. Boum boum boum. On est parti. Alors, il y aura plusieurs classes, vu qu'on a un caractère select. Harald, Slave Warrior. Un peu de lore. Des stats. Alors, force, dexté, intelligence, vita. DHP. L'armure, la proficiency avec des types d'armes différents et un skill de départ qui ressemble à un pari. J'ai pas vu si on pouvait over sur les skills, sur les stats. Alors, X pour notre attaque de base, A pour un dash assez instantané, il a un CD. On a nos HP en bas à gauche. Attack continuously hold X. D'accord. On n'est pas obligé de faire son combo. On ne stagger pas les ennemis. Quand tu les tapes, ils font leurs affaires. The dash in the direction you are moving, press A. Ok. C'est un peu lourd, pas trop. C'est juste lourd dans tes attaques pour pas que tu puisses spammer. J'ai pas C'est l'impression de fluide. pouvoir. Ouais, c'est assez fluide. Je peux pas. Oh, j'ai l'impression que le CD de mon. Ouais, c'est ça. Le CD de ma roulade est plus élevé en combat. Là, hors D'accord. combat, il est quasiment instant. Et en combat, il est plus loin. Alors, right button. Ah, j'ai eu un objet. Force résistance, 8 HP. On va équiper. Quand on a plusieurs starts, qu'est-ce qui se passe? On a la fiche de notre perso. Avec la définition de chaque stat quand on est over. Donc la dexté, c'est le crit, le dodge. La force, physical damage, le knockback, l'armure. L'intelligence, elemental damage, magic damage et de la résistance. Et la vitalité, ce sont les HP. Donc on a le reste de nos stats qui sont décrites ici. On a un peu de base crit chance. Et on a nos slots. Deux rings, gants, boots, plastron, une cape, une amulette, helmet, main hand ou peut-être arme de melee, arme range. Et une off hand. Ok, on a accès au compendium. Y a pas grand-chose dedans pour l'instant. Ok. Among the timeless graves, nobles and wretch lie here all the same, indistinguishable to time. Ok. Alors. Inoculating Vagrant Scape. Une cape qui donne de la résiste et de la decay résistance. Elle apparaît sur nous. Le modèle de notre Ok, perso. sympathique. Ouais. Use right stick to select a new target. D'accord, tu peux lock un peu à la Dark Soul. J'ai pas encore pu utiliser Ton skill. mon fameux skill, ouais. Alors, un shield qui donne des max HP en plus.
J'ai l'impression que je l'utilisais juste avant là. C'est une wand. On va pas utiliser une wand. Hein. Ah ouais, tu l'as utilisé en CD. Ah, c'est bizarre. Faut que je vois la définition du skill. Peut-être que c'est quelque chose qui se fait automatiquement. T'as fait comme un, t'as fait comme un shield bash. Mais je sais pas comment t'as fait du coup. Ouais, là, voilà. Il s'est activé. Bah, c'est automatique, on dirait. Bah, c'est automatique, ok. Quand je bloque un coup, peut-être. Alors, l'ambiance est minimale, hein. L'ambiance est minimale. Je sais pas si... Alors, il y a peut-être le son. Enfin, il n'y a pas de musique, mais ça fait très un peu, tu sais, Dark Souls 1, quoi. Pour l'instant. T'as les grognements, c'est tout. Un peu t'as de musique un bon contrôle d'ambiance. De la caméra ou... Non, juste la caméra angles, est. T'as des angles prédéfinis. Ouais, c'est ça, les angles sont prédéfinis. J'ai un petit changement d'angle si je change de target, très léger. Mais overall, j'ai aucun contrôle sur la caméra. Mais ça va, enfin, j'ai pas de contrôle, mais du coup, je trouve que les angles sont relativement bien choisis. Oula. Undying champion. Bah, on espère bien qu'il va die parce que sinon on va avoir un problème. D'accord, t'as le droit de bloquer les coups. Gratos. Left button. Ah. Alors, Swirling Carnage, on a des sortes d'upgrade là. Swirling Carnage politically, 3 axes swirl around you, dealing physical damage to enemies they hit. If any of the axes kill an enemy, this skill's damage is permanently increased. Every third attack becomes brutal, dealing additional physical damage and having increased armor pen. When you're out of dashes, fire a fiery orb at the closest enemy, dealing fire damage and burning enemies where it hits. Je prends le premier truc, les projets c'est sympa. Je vais baisser un tout petit peu le son. Là, subitement, le jeu s'est enflammé là. C'est clair. Le jour et la nuit en termes d'ambiance. Ah, et d'accord, c'est sound enabled ou plus de son. God damn, faut que t'ailles le baisser dans les paramètres. Dans le mixeur Windows ou. Un truc comme ça, ouais. Attends, mais. attends. Mais là, on a fait trop mal avec l'activation du skill là. J'ai pas fait attention, mince. Alors attends, mélangeur de volume, ouais, ouais, c'est la folie là. Hérétical. Alors on va se calmer un peu. Ah, t'es mal à bord de vie du boss. Ouais, ouais. Alors que franchement, avant le level up, j'avais mis genre la première pastille là, tu vois, à peine. Mm-hmm. Ah, les petites dagues là, il aime pas ça. Les dagues, il aime pas, ouais. Alors, les sortes de braises me font des dégâts, on dirait. Ouais. Juste au. Quand je les hit. Ok. Bon. Pas très undying là, le frérot. Prophecy fulfilled, beginning of the end. Qui s'est mis en bas à droite de ton écran quand tu l'as tué. Mm-hmm. Prophecies. Your saga, you will say the undying champion. One additional skill slot. Okay. Oh, you finally arrived. The star spoke of your arrival, and here you are, as prophesied. Prophesied. I'm the oracle, allied only to the inevitable future, and this is your destiny. Here, take a closer look, don't be afraid. Hop, fulfill prophétie, il nous donne un truc. D'accord, donc il te file une prophétie, hop, tu dois faire tel truc. You will kill 12 enemies with shield bash. Et si tu fulfill la prophétie, t'as un truc. Il y a un truc qui s'appelle vraiment shield bash en plus, j'ai même pas fait gaffe. Mmh.
Donc pas aller chercher loin. Ah, customer, say, would you be interested to take a look at my wares? Trust me, there's too few friends to be found around these parts, and I would never offer a bad deal to a friend. On n'a pas d'argent. Il y a des boots pour un d'armor de plus. On va rien acheter. La clé mort là, elle est sympa. Il nous faudrait 2 gold. Et donc ensuite on peut faire quoi? On peut acheter des spells. Get spark. Spark every few seconds, a lightning bolt flies towards the enemies, the nearest enemy, dealing lightning damage to the first enemy it hits. Get one reroll, get a skill upgrade, get ice spears, get dragon's breath. Every 5 attacks spawns a fiery wave. Ok, donc il y a pas mal de skills. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, un skill tree. D'accord. On a des points. Pour l'instant, on en a 0. Mais ok. Ah là, le son, ils ont pas géré par contre là, hein, parce que là, maintenant on n'entend plus Maintenant, rien. il n'y a plus rien. Ouais. Oh, forgive me, I was absorbed in prayer. What sorrow J'avais pas brings vu. you to this forsaken rock? Or was it perhaps destiny? Don't linger on our misfortune for too long, or you too shall be marked by the curse. Go forth, cross the chasm, and find your closure elsewhere. There's nothing for you here. Ok. Ils m'ont l'air énervés là les ennemis. Parce qu'on est passé de 3 pélos à... Là, on est bien dans le côté Souls là du coup. Cours un peu trop. En gros, toute la map. Et tu peux pas mettre un coup de shield bash là. Comment ça marche en fait? Faut que tu te laisses taper? C'est quoi le bail? Bah j'ai l'impression. Ouais c'est ça. Faut que je me laisse taper. Un peu contre-intuitif, mais c'est bien ça. Alors, nouveau level up, magma orb, when you're out of dashes, fire a fiery orb at the closest enemy. Ouais, ice spears. Every few seconds, an ice spear appears above you, seeking enemies. When it hits an enemy, it deals frost damage and applies chilled status. When dashing, plant a trap, which, when activated, does decay damage. On va prendre l'Ice Spear, every few seconds. Alors, on peut pas grimper, il n'y a pas de truc de mouvement dans le jeu, hein, au-delà de notre dash. Oh. On va back un peu. Effectivement, la gestion du son, c'est vraiment dommage, hein. Bah ouais, parce que là du coup bah jouer je sais pas comment ça rend, mais pour Bah le c'est coup à regarder pareil, du coup hein, c'est y a aucun son là. Y a aucun son là. ouais, y a aucun son, mais est-ce que le gameplay est comment dire suffit pour te donner envie de continuer, tu vois, parce que à regarder du coup c'est bon. Oui ça va, c'est pas ultra mou. Le problème là c'est Il est juste... en haut lui. on dirait. Ah, il était en haut, ouais, ça y est, il est tombé. Non? Il y a pas. Là, il est sous la map. Et il y a des mecs qui genre ils s'enterrent là. Quel petit glitch. Alors. Wow. Beaucoup de PV. Là. Ouais. On apprend un gros hit. Ils ont vraiment beaucoup de PV, hein, parce que jusqu'à maintenant, il y avait des ennemis avec max 3. 3 Alors, barres de vie, quoi. Swirling Carnage, on va level up. Oh,
41-52. Bon, par contre, on attaque beaucoup moins vite. 29-34. Les meilleurs boots, meilleurs helmets. Pour la résistance. Magic Axe. Mais ça, c'est très bien. Armor. Wow. J'ai pas suivi du coup comment t'as trigger ça, t'as ouvert quelque chose, t'as ramassé quelque chose En par fait, quand terre tu ou... ramasses les trucs, le stuff, ce sont des sortes d'orbes bleues. Et au moment où elles pop sur l'écran, j'ai une petite pop-up au-dessus de ma barre de vie qui me dit d'appuyer sur right button ou left button. Left button c'est Ok. pour les level up et right button c'est pour aller checker tous tes items là, que tu as potentiellement ramassé. Là ouais, là on commence à faire mal par contre. Notre hache tape globalement bien moins vite mais pas les mêmes dégâts quoi. Non, tu sais, c'est pas ultra, c'est pas rapide comme gameplay, mais c'est pas déplaisant sous les doigts. D'accord. Tu vois là sous juste au-dessus de ma barre d'XP. Yes, je vois, ouais. Right button. Alors, 22 d'armor, 46 de block force, on va prendre ça. On va prendre ça. Les meilleurs gants. On garde la hache bleue. On garde les autres gants. Un côté, le côté RPG, il est vraiment minimum. Genre les armes, vitesse d'attaque, t'as normal, fast. Ouais, et c'est T'as une value slow. de dégâts et t'as pas. Du coup, t'as pas le DPS en fait de l'arme. Faudra le calculer. Ouais. Bah, je pense pas que ce soit. Pour le coup, vu ta vitesse d'attaque, c'est pas extrêmement pertinent, quoi. Parce que si t'attaques plus d'une fois par seconde, t'es fort. Hein. Donc, pour l'instant, ils ont pas besoin de te donner beaucoup plus. Alors, du coup, on a fait le tour. Vous pouvez pas aller vers le haut On là, pouvait pas par aller ici vers là. Rio, le a priori ici. Ah, si. Bien vu. Bien vu. Quand un mec a capé la vie, ils ont combien d'HP en fait? 300 HP. Je crois que les barres ce sont des barres de 50. Des barres de 50, tu penses? Semble bien, oui. Là 45 tu as fait quasiment une full barre. Non, effectivement. Voilà, 26-25, il lui restait un peu plus d'une barre. Des barres de 50. Hop là, level up. On va passer Swirling Carnage au niveau 3. Visuellement directement dans ta barre, on voit pas quel spell t'as à level up quoi. Faut aller dans le menu. On dirait, ouais. Alors ici. Oh. What the fuck? Nameless Abyss. Et là, il n'y a pas de changement d'ambiance, rien. Ah ouais. Ouais. Bon, on est Ouais. sur de l'alpha, hein. Oui, c'est version combien? 0.1, un truc comme ça, non? Ouais. On avait vu sur l'écran titre tout à l'heure, il me semble. Ouais, mais là, Mais c'est. là, c'est quoi cette histoire là? Bah ouais, là, On c'est GG en fait. se balade? C'est quoi ces conneries là? Putain, on restart de zéro? Alors attendez, on va
remettre 1.4. un peu de son. Alors, il disait d'être vraiment d'hier, hein, c'est... 0.1.4 d'abord, oui. 2024-07-01. Et on restart de R. Bon. Je sens qu'on va pas restart beaucoup, On hein. va pas restart beaucoup, les amis. Mais là, on va rusher par contre. Tu vas avoir moins d'XP. Le loot, il y avait un coffre là-bas. Tu... C'est vrai, il y avait un coffre garanti au tout début. T'as pas besoin de ramasser déjà, ça c'est sympa. Ça, c'est cool. Ok. Un truc que j'aime pas par contre, c'est que. Bah en fait, t'as pas assez de CD sur tes. Sur tes dash pour dodge systématiquement les attaques ennemies. Et en même temps, t'as pas. T'as pas assez de vitesse de déplacement pour pouvoir tourner autour. Donc, enfin, t'es obligé de prendre des dégâts, quoi. Je comprends pas trop. Sachant que tu tapes doucement. Je Oh, suis il y retourné a, par là. y a un PNJ en fait là. Il disait Please get me out. Oui, dans la cage, ouais. C'était énorme. J'ai pas vu qui parlait. Ah ouais, mais ouais, c'était seul, bah il faut pouvoir passer. Ok. Faut abuser du shield bash en fait. Les télégraphes ont l'air suspects aussi. Oui. Alors, exécuter vite un attaque becomes brutal, dealing additional physical damage and having increased armor penetration. 20 damage, donc plus 20 damage sur notre troisième attaque. On est obligé de prendre ça. C'est énorme, 20. Carnage, TDAX. Si ça fait qu'on Bah, faut fait une voir la attaque à troisième attaque. 40, c'est une folie. Donc là, c'est comment on fait pour ouvrir en fait. C'est ça. Quelle est la question? Ah, voilà. Alors attends, on va tuer les trash là. Frère. Le bash, c'est vraiment trop fort par contre, hein. C'est ça. Ça veut setup des trucs et tout pour optimiser les damage. Ah ouais. Le mec il vient, il tape boom shield bash. Voilà, c'est ça le setup qu'il faut faire. Faut attendre. T'attends, t'as carnage plus shield bash et voilà, tu one shot un mec. Alors donnez-moi les items. Fire raise, all raise, oui. 10 d'armor, 20 block force, attaqueur take 5 damage, tu envoies des dégâts, oui. On garde l'autre. Une hache, oui. Elle est pareille hein, avec des increase fire damage, donc non. La cape, oui. Alors, Heavens, could it be? Did you just open that door? I forgot what freedom tastes like. Thank you. Arrow for hire. Nouveau personnage jouable. Ah.
Alors. Et du coup, tu peux changer d'arme, c'est ça? Avec Y. Effectivement. Ah ouais, mais il découpe notre arc là. Bah alors frérot, c'est comment? Easy, hein. Ah, y a un truc là-bas, c'est quoi? Ouais. Ah, faut passer par là-haut. Il s'est passé un truc bizarre là dans Stray Star Magic Currency. Mais c'était ça qu'on devait utiliser pour le skill tree. D'accord. C'est quoi le truc bizarre qui s'est passé? Bon, on dirait qu'il y avait de la hauteur et je t'ai pas vu tomber en fait. Là, je suis d'accord. Oh, j'ai l'impression qu'on D'accord. a gardé notre argent. Ah, possible, je sais plus avec combien on est arrivé tout à l'heure. De la fois Pas d'avant. beaucoup. Ça c'est beaucoup ouais. De toute façon on exécute. On n'a rien besoin de level up. Par contre. J'aimerais bien avoir sur Link Carnage là. Level up d'exécute. Ensuite, on fulfill la prophétie. Les prophéties qu'on a gardées sont toujours up en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Arrow of Fire, New Skill Available, D'accord. Death Gamble. Death Gamble. D'accord, donc en fait, le jeu, c'est rogue dans le sens où tu vas constamment recommencer ton aventure de zéro. Tu vas avoir des nouveaux persos, machin, machin, mais tu vas avoir peut-être des pools d'items et ce genre de choses qui seront différents. Alors, premier niveau, plus 10 soleil, 5% de max HP. Movement speed. Ouais, on va prendre ça, on est obligé. 2 dextérité, 5 movement speed, 2 strength, 15 HP. Ah bah Ah non. bah c'est rouge ou vert hein. Ah ouais, c'est rouge ou vert, CDR. On a combien d'HP? 203. Allez. Cinq pour cent c'est pas mal hein, parce que si t'as des si tu arrives à monter à plus 15, plus 20, Bah ouais, tu te mets bien. ça va potentiellement régler le problème de dodge. Mais Là genre le déjà, Kraken là qui nous a tué de son mouvement de speed, c'est mort. c'est clair. Et surtout, on n'avait pas d'arm range. C'est ça, là il y a un arc, ça va être mieux. Ça devrait être autrement. Le problème, c'est qu'on sait toujours pas comment comment il a Qu'est-ce qui s'est pop, passé, ouais. c'est ça. Hop là. Alors, exécute. Every sword attack become brutal. Ça marche sur le l'arc, j'ai même pas fait Ça a gaffe. l'air, hein. Ah bah oui, Ouais, l'arc les ouais, ouais. 84 euros. Oh non, donc lui il devient invisible, Il quoi. devient invisible, c'est ça. Moi, je pensais qu'il était sous le sol, mais non. Est-ce qu'on peut envoyer des flèches au travers des... Ça marche pas. Ouais, ça rigole pas en exécute sur les flèches à 80, c'est pas dégueu.
D'accord. Pas de soucis. Alors, il y a Ouais, y a un moyen de mec là. monter là, du coup. Comme ça. What, where, or am I? Oh, I have no clue how much time I've been sitting here. Maybe it's time to go. Profound practice. Nouveau perso. Ok. Exécute. Oh. Twin-Dead Maze very slow. Ça vaut pas le coup. Non, non, non. Ouais. 27-31, même vitesse, meilleur stat. Juste ouais. Meilleur shield. On renvoie plus les dégâts, mais meilleur shield. Meilleur boot. Tac. Un glove actuel mieux. Notre hache est mieux. Oh. Rare helmet. Magic Raze, Decay Damage, Lightning Damage, 13 HP. C'est ça qui est marrant dans les jeux avec les éléments RPG. C'est que, en fait, il suffit que tu commences à looter un peu. Et t'as tout de suite envie de tester, tu vois. Tu veux donner la chance au jeu, voir. Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire du coup, tu vois. Alors que tant que ça commence pas, ah, ça commence pas quoi. On peut excuser beaucoup de trucs à partir du moment où on commence à pouvoir jouer avec les systèmes du jeu, mais logique, tu me diras. Ouais. Surtout que ça dépend de ton profil, quoi. Si t'es client des RPG, Bah ouais. forcément tu vas dire bon, j'ai Allons 2-3 heures, voir. on va voir. C'est ça. Exactement. Oh là. Les fameux. Ah bah là ils se font dérailler, hein. Ah bah ouais, hein. Là c'est pas la Même même chose, hein. clair. C'est marrant comment t'as traversé la texture tout à l'heure et comment là la notion de hauteur elle est stricte quoi. T'as 3 marches en dessous du truc, tu tires, si tu le touches pas. Et là tu le touches. Pas très bizarre la gestion des textures, de toute façon c'est V0 hein. Je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que le truc soit jouable. C'est ça. Et honnêtement, ben en sachant que t'es en 0.1.4, on a joué à des trucs sur cette chaîne avec un plus mauvais gameplay. Ah bah voilà l'autre encore. Ce coup-ci on a un arc. L'arc découpe en plus hein. Est-ce qu'on a un timer dans la run? C'est ce que Pas je me disais en l'impression. fait. Mais j'ai l'impression que là, on a tué le. On a tué le pack et ce truc a pop. Comme si c'était des sortes de cultistes, tu vois. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas parce que tout à l'heure t'avais pas tué un pack tout à l'heure quand il a pop. J'étais en train de fight Peut-être. des ennemis, mais je sais pas, Ouais. ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Nice. Magic Armor. Max HP, Rarity. Magic Find. Ouais. De l'armure. Buff Duration. Nouveau ring. Un peu d'armor, mais on garde l'ancien. Je pense que c'est tout. Il y avait des trucs en haut, non? Ouais. Il y avait juste des. Il y avait des trucs par là. En fait, il y avait tous ces trucs là, vers la gauche. Et on n'est pas allé ici, du coup. C'est quand on est allé par là tout à l'heure que. Le truc à pop, ouais. On s'est téléporté.
Peut-être qu'il y a un ennemi Qui summon. qui summon, ouais. Palewind. T'as rempli une prophétie. Je sais pas si c'était déjà celle qu'on avait prise là, ou si c'est une nouvelle qui est à peu près entre-temps. Alors, par où on monte? Voilà, il nous faut les flèches qui percent, les flèches explosives là. Clairement. Il faut juste un peu d'AOE là et on va commencer à rigoler. Du level up. Continue à monter, exécute. Ok. C'est marrant, la caméra a un angle complètement différent. Je sais pas à quel moment le jeu décide de changer d'angle, mais je trouve que c'est fait de manière super intelligente en fait. Parce que c'est jamais gênant. Or, je vais rien demander. Souvent, enfin, c'est très rare de changer mon angle de caméra et que ça me saoule pas. Alors là c'est bon. En général, ouais. Comment on fait pour atteindre l'autre mec là? C'est bizarre. 27-31 attack speed et quasiment pas de damage. Non. 29-34 slow. Non. All res, bad duration. On n'a pas de buff. Non. Prendre la res, un meilleur bow. 35% critical strike damage. Ok. Plus 12 all raise. Plus 1 to fire sage skills. On n'a pas de fire sage skills. 27 d'armure. Oui. Plus 10 all raise. Ok. Alors. Je crois qu'on va pouvoir passer là. Faut monter là. Et Ah oui, redescendre. faudra redescendre là-bas, ok. Oh. Code Matron 2. Amara. Elle a réduit la taille de la zone. Ouais. Un DPS check. Vraiment. Magic Seals bars the way. Ok. Bim. Débloquer l'arc dans le playtest, c'est C'est une lui. garantie, on dirait. C'est ça. Alors là, tu peux Alors là, redescendre. ouais. Ah, dommage, on va pas. Ah, si, on peut y aller. Ouais, tu peux les récupérer, la truc aussi. Ouais. Ah, c'est bizarre, hein, là, ce qui vient de se Ouais. passer. Effectivement. Victory. Ah. C'est la fin de l'arène. C'est là la fin de la run. Victor Champion, Dead Dragon, show yourself with us, forging path yet unseen. 13 minutes de run, on est level 7, Tyrica, bla bla, ok. Ok. Donc la run, c'est tuer les deux boss, les trois boss. Le boss du début, l'espèce de truc avec les tentacules et le.
La matrone. Thank you for playing. Ok. Non mais en vrai super intéressant parce que donc je pense que leur là leur système de combat il y a des trucs qu'on peut changer assez facilement. Il faut capter déjà il faut plus de feedback mais ça voilà sound design c'est pas le truc numéro 1 dans un jeu quand tu crées ton système. Mais ça va être intégral pour donner du feeling. Ça flotte un peu. Et puis comme tu disais, les tails sur les attaques des ennemis sont un peu approximatifs. Par contre, dans les boss fights, c'était pas un problème. T'avais des AOE propres, machin, tu fais tes trucs. Sinon, tout le reste des concepts sont sympas. Pour la partie RPG, la gestion du loot. Bon, tu nous présentes un skill tree, on n'a pas forcément beaucoup pu jouer avec, donc tout ça reste à voir. On sait pas trop comment tu vas gérer l'XP, à quoi tu veux que ça ressemble une run dans ton jeu, tout ça. Mais à garder à l'œil, de toute façon, là, les mecs, on est parti pour les revoir, je sais pas, en 2025, peut-être 2026, quoi. Ouais, minimum. Hein. Minimum, hein. Mais, Ouais. Il y a plusieurs persos en plus, ouais. Plusieurs persos. Faut voir ce que ça fait la proficiency dans les différentes armes. Est-ce que tu fais des dégâts supplémentaires? Ça change. Ton perso démarre avec des stats de base différentes. Je serais curieux de tester un mage, en fait. Pour voir comment il... Ils souhaitent te faire jouer autour de ça puisque t'as pas de mana dans le jeu. Donc j'imagine que quand tu équipes une wand, t'as un sort associé. À voir. Hein. Ou une attaque range associée. Et ouais, à voir du coup. Mais non, je suis intéressé, ça va wishlist histoire d'avoir un œil sur les avancées du projet. Faudrait que je cherche les infos sur les devs histoire de les suivre sur les réseaux sociaux. Puis très curieux de voir un build 05 07 tu vois dans ouais, une petite année histoire de voir ce qui se passe. Voilà, un petit mot à rajouter sinon on va stopper, pas grand chose bon, à dire de hein, toute façon tu me diras. Ah, pff, ouais, V0.1 je pense que t'as tout dit hein. Bah ouais, et ouais, curieux aussi, j'espère qu'ils feront un truc bien. Yes, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres découvertes tous les jours à 18h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.